Ça va bien. Donc, vous entendez crier, c'est Anto qui est en train de gamer. Je me suis fait quand même une bonne to-do list aujourd'hui pour justement faire en sorte là, d'être quand même productif et d'avoir quand même l'impression d'avancer dans la vie en général. Fait que c'est ça. Je me suis quand même préparée, je me suis quand même habillée. Mon maquillage est vraiment, vraiment simple aujourd'hui, mais j'ai vraiment quand ça a viré. J'ai mis juste un. Je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés là. Je voulais vous présenter mon maquillage ce matin, mais j'étais comme trop rushée avant de commencer à travailler. Fait que, bref. C'est super naturel là, ce que j'ai fait. J'ai utilisé premièrement de chez e.l.f. Un hydratant dans lequel il y a un petit peu de glow, là, fait que d'illumination. Voilà. J'aime vraiment, vraiment cette crème hydratante-là là, quand je veux juste un petit quelque chose sur ma peau. Fait que j'ai mis ça en premier. Après ça, je suis juste venue appliquer un petit peu de blush. Ça aussi, c'est de chez e.l.f. Mon Dieu, pardon. C'est juste un petit blush en crème comme ceci. Je suis venue appliquer avec un pinceau à fond de teint sur mes joues juste pour dire que je mettais un petit peu de couleur. Après ça, je suis venue mettre un petit peu de highlighter de chez Essence dans la teinte Be My Highlight 10. Ils ont une nouvelle sorte aussi. Ben, en fait, exactement le même highlight, mais pour peau un petit peu plus foncée. Fait que si jamais ce highlight-là, vous allez toujours vous laisser, mais trop pâle. Moi, je l'aime vraiment beaucoup parce que je le trouve super naturel. Mais j'ai vu qu'il y avait une nouvelle couleur la dernière fois. Donc, pour les peaux plus foncées, ça pourrait vraiment bien fonctionner. C'est pour tous les jours, là, c'est parfait. Après ça, je suis juste venue faire un petit peu de recourbement de cils et appliquer mon mascara de chez Clinique. Cette semaine, j'utilise celui-là. Donc, c'est le mascara Impact Optimal de chez Clinique que j'avais reçu à Noël. J'aime vraiment ce qu'il fait. Par contre, il est très, très, très naturel. Fait que c'est pas le mascara pour plein de volume puis plein de longueur. Mais pour un look de tous les jours, je trouve ça parfait. Et finalement, je suis venue terminer ça avec juste un gel à sourcils transparent. Fait que c'est juste vraiment, tu sais, pour dire que je me prépare, que je me mets quelque chose dans le visage. Mais que c'est quand même naturel puis que je mets pas trop de produits dans mon, justement, dans mon visage. J'aime vraiment ce que ça a donné. Tu sais, justement, c'est full naturel. J'ai même pas de cache-cerne, rien. Fait qu'on peut voir à quel point je suis cernée. Mais mon mascara, comme vous pouvez voir là, c'est juste naturel. Fait que, ouais, travailler dans la maison, là, c'est vraiment ça, je pense, qui fait en sorte que tu as quand même l'impression de pas être une petite patate toute la journée. C'est de se préparer, de faire en sorte que tu te mettes un outfit, que tu changes de ton pyjama, que tu te prépares, puis que tu as l'impression d'être comme plus réveillée. J'ai quand même décidé de garder mon outfit super casual parce que là, je me mettrai pas en jeans et full habillée pour une journée où je reste à la maison. J'ai mis mes jogging préférés de chez Urban Planet. Je pense qu'ils sont encore disponibles, fait que je pourrais vous les mettre en barre info. Mon chandail de chez Arden, même chose. Et finalement, ma laine que j'avais pour Urban Planet, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Fait que mes petits bijoux normaux, je reçois full de questions ce collier-là. Ce collier-là, j'avais pas au Arden, mais ça fait vraiment longtemps. C'est juste que c'est mon collier préféré. Fait que c'est un 2-en-1 dans le fond, là. J'ai reçu un petit collier de chez Cloran, qui est une compagnie que vous connaissez probablement. Ils font des produits pour les cheveux, pour le visage et pour les bébés. Donc, c'est une toute nouvelle collection qu'ils ont lancée, qui est la collection L'âme botanique. Donc, dans le fond, c'est une collection de 3 produits. Je suis tellement contente, je vais vous les présenter par la suite, là, mais c'est un shampoing, un revitalisant, puis une espèce de petite brume purifiante. Je trouve l'emballage particulièrement joli parce que c'est des petites boîtes réutilisées et tout. Fait que je trouve ça génial. Donc, on a premièrement le shampoing anti-pollution à la menthe aquatique comme ceci pour, dans le fond, c'est tout ce qui est cheveux exposés à la pollution. Fait que c'est censé vraiment aider avec ça. Ça nettoie intensément et ça élimine les impuretés du cuir chevelu. Fait que ça, j'ai tellement hâte de l'essayer. Après ça, on a un petit revitalisant sans silicone anti-pollution encore une fois. Bon protecteur à la menthe aquatique. Fait que j'ai tellement hâte de l'essayer. J'aime tout ce qui sent la menthe. Fait que puis leur packaging est vraiment incroyable. Puis ça, c'est justement, comme je vous disais, la brume purifiante à la menthe aussi. On dirait que je sais comme pas trop comment utiliser ça. Dans le pamphlet, ça disait que tu faisais juste appliquer ça. Ultra concentrée en menthe aquatique, cette brume composée à 95% d'ingrédients d'origine naturelle neutralise les odeurs désagréables du tabac, de la pollution, de la friture, tout en détoxifiant et protégeant la fibre capillaire de la pollution.
Elle se vaporise sur cheveux secs sans les alourdir. Fait que dans le fond, c'est censé comme enlever les odeurs des cheveux. En tout cas, je trouve ça vraiment fucked up, mais c'est nice. J'ai hâte d'essayer ça. À la menthe aussi, donc tu viens appliquer ça sur les cheveux secs, pas quand tu sors de la douche. Je pensais au début que c'était ça, mais non. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Si jamais je suis capable de trouver les liens de ces produits-là aussi, je vous les mettrai en barre info. C'est la première fois que j'essaie les produits chlorants, fait que j'ai vraiment hâte de voir si ça fonctionne pour moi. C'est rare que les produits pour vrai pour cheveux fonctionnent pas pour moi, mais souvent, c'est ce que ça va faire, ça va juste rendre mon cuir chevelu gras trop vite. Fait que je serais bien contente que ça fasse pas ça. Parce que, ouais. On fait une grosse sortie de vendredi après-midi. On se promène en auto pour sortir de la maison. Yeah! Yeah! Il arrêtait de pleuvoir au moins, fait que c'est un petit peu moins déprimant. Fait que, ouais, notre grosse activité du vendredi, c'est de... Ah, police! Qui était où à droite? Ouais, elle était dans la rue. Tout le temps, les polices fantômes, là. À chaque fois, j'ai peur. Ouais, fait que c'est ça, c'est notre grosse activité. Clairement, on n'est pas les seuls qui avons eu la merveilleuse idée de sortir de la maison, parce qu'il y a du monde en titi, c'est Ruth, par exemple. Your love with your boyfriend, na 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 na. Bon, fait que... On a reçu du nouveau café. En fait, on a commandé du nouveau café, des nouveaux cups à espresso. À Noël, Anto nous a acheté une machine espresso juste ici. Et puis, elle va super bien. On l'aime vraiment beaucoup. Par contre, vu que c'est des pods, je voulais vraiment qu'on trouve des cups réutilisables qu'on peut utiliser avec ça. On en a avec la Keurig, puis ça fonctionne super bien. Fait que là, j'en ai commandé. Puis on les a essayés. Puis c'était dégueulasse. Fait que pour de vrai... Quoi? Anto, il essaie de faire du latte art depuis des semaines. Oh non, t'as fait... Dites-moi ce que vous voyez. Moi, je veux un bonhomme sourire. Mon chum, il a 12 ans. Ouais, c'est ça. Fait que on a eu des cups réutilisables pour la Nespresso, puis c'était vraiment, vraiment pas bon. Fait que là, j'essaie quand même d'en trouver d'autres, mais si jamais vous avez une machine espresso ou quoi que ce soit, puis vous avez des suggestions de cups que vous avez achetés, puis que vous trouvez que ça goûte vraiment l'espresso, parce que je trouve qu'à chaque fois, ça goûte genre le café dilué. Fait que ça goûte pas vraiment comme un espresso, tu sais, un café fort, concentré. Fait que bref, tout ça pour dire qu'on a commandé des pods. Notre armoire à café se trouve juste ici. Fait qu'on a tout notre café qu'on a déjà prémoulu. Puis là-dedans, on a les petits pods que j'ai mis. C'était un paquet de 100 qui venait comme ça. Fait que c'est du café italien espresso pour les espresso lovers. Fait que c'est les Ristretto. Je pourrais essayer de vous les trouver puis les mettre en barre info. Là, c'était 10 paquets de 10. Il y en a 100 pour comme 35$. C'est vraiment, vraiment abordable. Puis dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'ils se ramassent toujours dans la petite truc ici. Puis après ça, on enlève le café du cup. On enlève vraiment l'aluminium puis on recycle la partie recyclable. Fait que à défaut de pouvoir en trouver des recyclables, ben au moins on fait ça de même. Fait que c'est déjà mieux que rien du tout. Là, on va enjoy nos bons petits cafés. À tous mon cappuccino puis moi mon petit café glacé. Puis continue notre vie de gens en quarantaine. Oh my god, le soleil est enfin sorti. Fait que je suis en train de travailler à mon bureau. J'ai fini comme toute ma petite to-do list de la journée. Je suis bien contente. Puis là, je voulais vous montrer. Je viens de finir d'écrire l'article pour Optional. Fait que dans le fond, le nouveau site à Anto, Optional Clothing, est maintenant en ligne. Fait que il a tout fait ça lui-même. Le site est insane. Les nouveaux morceaux sont débiles aussi, là. Fait que jamais vous avez vu les derniers vlogs du début de la semaine. Ben, vous allez avoir déjà vu ça. Mais bon. Ouais, je suis vraiment fière de lui. Je suis vraiment contente pour lui. Et puis dans le fond, c'est ça. Il y avait une section blog sur laquelle il va faire écrire du monde ou whatever, peu importe. Qui. Puis je me suis dit que c'est ça, ça me tentait d'écrire un petit article là-dessus. Fait que j'ai toujours voulu comme partir un blog, mais je l'ai jamais fait parce que ce serait une chose de plus sur ma liste. Mais j'ai fait un article qui était 3 façons de porter ton tracksuit. Vu que le tracksuit optional, c'est comme vraiment mon préféré de tous les morceaux qui ont sorti. Fait que là, j'ai comme ma petite bannière. Puis j'ai tout mon petit article qui est écrit. Fait que je pourrais vous le mettre en barre info si j'avais le temps d'aller le lire. Je suis vraiment fière, je suis vraiment contente de comment ça a sorti. Fait que je trouve ça bien le fun. Et puis. C'est ça, j'aime vraiment, vraiment écrire. Là. L'écriture, c'est vraiment ma force. Puis dès que j'ai comme. On dirait dès que ça part, tu sais, je suis correcte. Je peux pas. Des fois, ça me prend un temps à partir, mais dès que je finis par partir, puis que tu sais, c'est comme enclenché, il n'y a pas de retour en arrière. Fait que ça, c'est bien le fun. Dès que j'ai trouvé mon idée de base, là, fait que là, j'étais en train de brainstorm justement d'autres idées que je pourrais faire d'articles, parce que pour vrai, je trouve ça vraiment cool. Fait que c'est ça, je pourrais vous mettre ça en barre info si jamais ça vous intéresse. Aussi avec le site et le tracksuit, parce que pour de vrai,
si jamais vous êtes des fans de tracksuit comme moi, ça va être un incontournable pour le printemps. De retour à mon petit temple. Ah, écoutez, Riverdale, le prochain épisode. C'est le dernier disponible, je suis tellement triste. Merci, maître. Bon vendredi. On est vendredi soir. Puis j'avais vraiment envie d'essayer de faire des genre margarita maison avec ce qu'on a. Donc, on va essayer ça. On va prendre nos magnifiques verres du Dollarama. Si vous cherchez des beaux verres, bons verres, là, je les ai achetés au Dollarama. Je pense que c'était 1,50 chacun et je les trouve malades. Que ce soit pour des drinks ou d'autres... pour tous les jours, là, sont parfaits. La recette que j'essaie de suivre, c'est celle de chez Julia Havens, que j'écoute tout le temps, là, c'est Juice Havens sur Instagram, c'est la Margarita Recipe. Mais j'ai pas tout ce que ça leur prend. Fait que ça va prendre de la tequila. Ça, c'est ma tequila préférée. C'est de la Rose Cuervo, mais la brune, c'est vraiment important. La blanche, elle donne vraiment trop de hangover intense. Avec la version qu'on va faire, on va avoir besoin de jus d'orange, de jus de lime et puis de glace. C'est sûr que ça, ça aurait été mieux si ça avait été fraîchement préparé, tu sais, avec des fraîches oranges et de la fraîche lime. Mais on s'entend que on fait avec ce qu'on a aujourd'hui. On n'a pas de shaker, mais on va tenter quelque chose. Fait qu'on va faire... deux shots de tequila. Un shot de jus de lime. Un shot de jus d'orange. Qu'est-ce que ça va donner? Oh. Vraiment fort, j'aurais pu mettre un petit peu moins de jus de lime, mais une belle première expérience. Je sais pas si tu peux aimer ça. Ouais, hein? C'est très surette, genre. On avait pas de triple sec, puis ça prenait ça, fait que j'ai acheté du stevia liquide à la place, puis ça fait l'affaire. Fait que voilà, tout est substituable. So, j'attends que Anto finisse de gamer parce que ce soir on va faire une soirée Bravo! Fallait bien juste qu'on puisse pas sortir pour sortir les jeux de société. Je vais préparer le setup tristement seul en attendant qu'il arrive. Version 1900 fait plus. Hein? Il y a vraiment beaucoup de chaque. Il y a juste vraiment beaucoup trop de choc. Yeah, bébé! On a nos bonnes chips crème sur oignon, nos petits cocktails, puis notre trouble. Ouais. Why so mean to me? Oh my god, c'est serré. Et nous, moi, il me reste un pion à sortir, puis en tout, il reste un pion à rentrer. Mais j'ai déjà gagné des games de même, hein? C'est serré. Oh! Oh. Oh my god, c'est égalité! Non, j'ai gagné. Non, c'est égalité. On est sur le gros FaceTime, là. Hey! Oh! Après deux défaites de suite, j'ai décidé qu'on arrêtait. Non, là, on est en train de souper. Il est rendu 9h20, my god. Non. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? La grosse gastronomie? Oui. Et Ouais! Notre soirée par excellence, on s'est ouvert le divan-lit, on va manger notre petit souper, puis on va regarder un film, probablement Jumanji 2. Il est sur HDS, donc... Taz! Bon matin! Je me suis rendu compte que je n'avais jamais terminé le vlog hier soir. Je tenais à vous remercier d'avoir écouté cette semaine de vlog-là. J'espère que vous avez apprécié.
Regardez la semaine prochaine pour les prochains vlogs aussi. Si jamais vous avez aimé, soyez sûr de me le dire en bas dans les commentaires et de mettre un pouce à cette vidéo aussi, de même qu'aux autres que vous avez regardées. Ça me permet vraiment de voir si vous aimez ça, qu'est-ce que vous aimez. Et puis si vous voulez que je reproduise ça à faire 5 vlogs dans une semaine, une fois de temps en temps, ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. Je vous embrasse, je vous aime, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et puis on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde!